Assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir. Alors, visite d'un ancien militaire, d'un ancien cimetière militaire, d'un ancien hôpital militaire. Je suis fatigué. Donc, abandonné naturellement. Vous voyez un peu derrière moi. Dans un piteux état apparemment. Très beau spot malgré tout. Donc, la nuit tombe. Il se peut qu'on fasse un semi-nocturne pour le coup. Et ça a l'air assez chaud. Allez, je vais vous montrer les bâtiments de l'extérieur avant qu'il fasse trop nuit. Inch'Allah. Voilà, c'est tout un ensemble de bâtiments délabrés, abandonnés, ruinés bien sûr. Alors, je pense que le spot est pas très safe. Rien d'étonnant. J'ai eu la bonne idée de prendre les superbes lampes torches avec moi. Si je les retrouve. Bismillah. En espérant ne pas se prendre un bout sur la tête. Bonsoir. Bonsoir. Il y a du passage, je suis pas le seul. Entre nous, je vais pas y passer la nuit parce que je suis un peu fatigué. Je rentre de Barcelone où je suis allé chercher mon fils dans l'urgence qui était perdu depuis près de 15 jours et qui, alhamdoulillah, vient d'être retrouvé. Voilà, donc les fameux couloirs qui tuent et qui font fantasmer tant d'urbexeurs. Donc si vous voyez passer une ombre noire au bout, c'est un djinn et j'en profite pour dire Assalamu alaikum à toutes les entités djinniques qui peuplent ce lieu. Et pour dissuader les mauvais djinns, on va faire quelques petites récitations. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Bon, on va pas trop s'aventurer parce que, comme vous pouvez le constater, c'est un peu casse-gueule. Donc, j'ai pas envie de finir à l'hôpital à tous les sens du terme. Voilà, donc je le répète, il s'agit d'un ancien hôpital militaire. Décidément, j'ai du mal. On est quelque part dans la région de Perpignan. Le spot n'est pas inconnu. On
On a une sortie là. Moi, je suis discret comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Une chaufferie. Rien de transcendant. Voilà, donc je vais vraiment pas m'éterniser parce que je suis fatigué. J'ai dû dormir en tout 4 ou 5 heures dans les 48 dernières heures. Et je tiens plus du zombie que de l'être humain. Donc les jeans, c'est pas le moment de venir me casser la tête. On va continuer une petite récitation, les sourates de protection. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ah bah en fait c'est le genre d'endroit qui sont fréquents. Oui non vu l'état je pense que c'est pas trop squatté mais ça intéresse surtout les urbexeurs. Ah ouais, ouais. Parce que... Mais qu'est-ce qu'ils en font de ce bâtiment là? Des grands bâtiments comme ça c'est sympa. Bah, rien. Non, c'est dommage, tu sais, maintenant il y a des frais. Hein. C'est la France dans toute sa splendeur. Hein. Ouais, ouais. La France de Macron et puis d'Attali. Hein. Ouais, c'est incroyable ça. Quand on voit tout le potentiel qu'on peut faire là-dedans. Ah bah oui, on manque de logement, soi-disant. Ouais, ouais. Ouais, bah là, maintenant, c'est plus la question de dire on va faire des habitations au-dessus, là, c'est mort. Ah bah le bâtiment là est trop délabré. Hein. Ouais, ouais. Ou alors faut faire des salles des fêtes, des conneries comme ça. Je sais pas, après, vous savez, tout ça, c'est une question de gros sous. Hein. Ouais. Donc après, il faut savoir que ce type de bâtiment, enfin, je suis agent immobilier, ouais. Ça coûte plus cher à rénover qu'à démolir. Hein. Voilà. Après, on aura la démolition, il y a aussi le désamiantage, tout ça, mais l'un dans l'autre, ça revient toujours moins cher. Donc, ouais. Quand on voit même là, le séquoia, quel âge, je ne sais pas combien d'années, ce truc-là. Ouais. Cet arbre-là. Par contre, c'est dangereux, donc comme je vous disais, ça attire beaucoup de jeunes qui font ouais, de l'urbex. C'est le con, ouais, c'est ça. Hein. Urbex, c'est de l'exploration urbaine, si vous voulez. Ouais, c'est un truc un petit peu à la mode. Donc ils viennent, ils filment et ils postent ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ouais. Mais le problème, c'est que ces bâtiments-là, si vous n'avez pas un petit peu de connaissance du bâtiment, voilà. Les points sensibles, tu sais que ça peut s'écrouler. Surtout. Voilà, voilà. Donc là, je suis monté par l'autre aile, les planchers sont carrément écroulés, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est dangereux, si vous voulez. Et il y a des. Ils sont contents, ils font leur signature. Hein. Voilà, oui, bon, ça, on n'est plus à ça près. Hein. Ouais, ouais. Mais il y a de plus en plus d'accidents dans le cadre de cette discipline. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite bonne chance. Eh ben, demain, bon. Je vois de mon appartement là-haut, je le voyais, j'ai dit, tiens, il va falloir que j'aille le voir. Ouais, ouais, c'est. Je voyais pas citer la Brex, ça. C'est un beau spot, comme on dit, c'est un beau spot. Ouais, ouais, mais je voyais pas citer la Brex, ça. Il y a plein. En fait, la France et même le monde regorge d'endroits comme ça. Si ouais, vous ouais. Les États-Unis, c'est un truc de. Enfin, là, je reviens d'Espagne, ouais, il y a ouais. Des trucs abandonnés tous les 30 mètres. Si vous voulez. Ouais. Et ça, c'est un signe du déclin, du déclin des pays. Quoi. Ouais. Tout part en. Les États-Unis, je ne vous en parle même pas. C'est pareil. C'est même... Tout part à l'abandon, tout est abandonné. Ça leur coûte trop cher de faire des trucs. Ils préfèrent refaire du neuf. Bah, si vous voulez, il y a eu les belles époques où. Où on construisait à tout va, où il voilà. Y a eu le plein boom. Et là, comme tout s'écroule avec la crise, ce qu'ils ont fabriqué de toutes pièces d'ailleurs, mm-hmm. Bah. Pas pris des banques, hein. Maintenant, les banques, ils revendent tout ce qu'ils ont acheté, hein. Avec ouais. Nos
faudra voir ça avec Monsieur le Président de la République depuis 1980, c'est-à-dire Attali. On voit une belle fraise, comme ça, qu'on peut faire les coups pour que ça tombe, ça peut tomber tout seul. Et ouais. Bon, bah, écoutez. On va sortir de la norme parce qu'on se fait bouffer par les moustiques. Ouais. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. De même, au revoir. Petite discute avec un monsieur qui avait repéré le spot depuis son appartement, donc ça doit être un touriste. Beau spot, bel endroit. Mais en ruine, quoi. On a des chauves-souris. Donc c'est un semi-nocturne pour ainsi dire. On va aller voir par là si c'est pas trop écroulé. Confiance relative dans les planchers, ça a l'air de tenir. Voilà, toujours ces longs couloirs en enfilade, une petite chauve-souris. Des sanitaires. Donc moi je ne suis pas là pour interagir avec les entités, les provoquer. Les djinns font leur vie, je fais la mienne. Le monde invisible par définition est invisible et il nous est interdit. Mais il est indéniable qu'il y a des entités dans ce genre d'endroit abandonné. Puisque c'est par définition le lieu de villégiature privilégié des djinns. Voilà. Donc la stabilité sera peut-être pas top, parce que je suis KO. Mais... Bon là, ça s'est écroulé. Ça a même brûlé. Assalam alaikum. Ouais, ça sent brûlé. A'oudhou billahi tammati min sharri ma khalaq. Ça fait un moment que j'avais... Ça faisait un moment, je veux dire, que j'avais envie de voir ce spot. C'était dommage de passer dans le coin et de ne pas s'arrêter.
effectivement. Le genre de choses aussi qui font fantasmer tous les explorateurs en mal de frissons. Bruit de toutes origines d'ailleurs. Aussi bien d'origine paranormale que d'origine normale. Le monde paranormal est partout autour de nous, donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il se manifeste. Inutile d'essayer de rationaliser à tout prix, comme le font la plupart, qui ont dans le cœur la maladie du doute. Pour nous croyants, il n'y a aucun doute possible. Ça fait partie de la rakida. Le monde invisible est là et il est bien là. Voilà, un beau parc. Bel ensemble de bâtiments. Allez, moi je vais plier les gaules parce que je suis vraiment, vraiment très fatigué. J'espère que j'aurai assez de mémoire sur le téléphone. Inch'Allah. Et j'ai bien envie de lancer un azan pour purifier l'endroit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Double la revue à l'intérieur du bâtiment. Une chauve-souris à qui j'ai fait peur. Ouais, le bâtiment a quand même bien morflé. Si j'avais été en forme, je serais monté à l'échelle là. Mais je ne suis pas en forme. Je me suis fait opérer il y a un mois et demi. Et j'ai encore des douleurs. On va éviter de faire des acrobaties. On peut d'ores et déjà me classer dans la catégorie des papilles de l'urbex. Je filme un peu n'importe comment. J'ose compter sur votre indulgence.
Bon, je sais qu'il y avait des caves explorées quelque part, mais franchement, je vais pas me lancer dans une exploitation. Discrétion assurée. Voilà. Bel ensemble de bâtiments, beau spot. Et c'est à l'abandon. Et là, on a la chapelle. En mémoire du maréchal de Lattre de Tassigny et la chapelle ou l'église, je ne sais pas. Et voilà, alhamdoulilah, louange à Allah qui nous a permis d'explorer ce lieu sans le moindre dommage. Il faut quand même rappeler que l'urbex est une discipline qui peut être dangereuse si on ne fait pas attention. En soi, c'est pas plus dangereux que de se promener en ville, au milieu de la circulation. Mais il faut être conscient de ce qu'on fait et où on met les pieds. Certains ensembles sont tellement dégradés qu'on ne peut pas marcher n'importe où. Et il faut avoir l'œil au minimum. Voilà, sur ce, on va couper là et je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.